Salut à tous, c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online pour faire de l'argent en illimité en 1.20. Alors ce qu'il faudra faire c'est déjà être deux dans une session, donc pour vous et vos amis ou peu importe, et prendre une voiture de la rue et la modifier complètement. Une fois que cela est fait, vous allez vous rendre à côté de votre ami, donc juste en face de votre garage. Une fois que cela est fait, vous allez dire à votre ami de monter en passager et vous allez charger une mission, donc peu importe, de Simeon. Si vous n'avez pas de mission de Simeon, vous avez juste à l'appeler pour lui demander donc de l'activité. Et donc ce sera une mission que vous devrez avoir terminée pour pouvoir les avoir dans vos missions. Donc moi je prends la mission Explosion. Donc je la lance. Donc voilà, vous attendez que le chargement s'effectue. Une fois que le chargement s'effectue, vous faites confirmer les paramètres, vous la lancez. Et donc là normalement vous allez voir que vous allez spawn dans le garage. Donc vous allez juste rentrer dans le garage, sélectionner le garage dans lequel vous avez envie de mettre les voitures dupliquées. Donc voilà, ensuite vous allez tout simplement sortir du garage. Une fois que vous êtes sorti du garage, vous allez tout simplement quitter l'activité, donc avec carré, donc aller dans l'activité carré, quitter. Voilà, ça va vous remettre dans une autre session. Donc voilà, ça va faire un petit chargement. Ensuite, vous rejoignez la session de votre ami. Donc voilà, on va tout simplement répéter la même étape. Vous allez retourner dans la voiture, votre ami va retourner en passager, et vous allez tout simplement relancer exactement la même activité. Ça doit être exactement la même, voilà pourquoi vous devez l'avoir dans vos activités. Voilà, vous allez la lancer. Et là, vous allez encore spawn devant le garage. Vous allez rentrer dans le garage. Et voilà, vous aurez déjà deux voitures, donc cliquez de la rue. Et bien sûr, comme elles sont dans votre garage, maintenant elles sont à vous, elles sont assurées. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à sortir du garage, requitter l'activité. Une fois que vous avez quitté l'activité, vous n'avez plus donc qu'à rejoindre votre ami. Et vous pouvez faire cette méthode en illimité. Moi je l'ai fait que deux ou trois fois pour vous faire voir dans la vidéo. Donc maintenant vous allez voir que je retourne dans la session. Là il y a le petit chargement que j'ai mis en accéléré. Et donc vous allez voir que quand j'arrive dans la session, j'arrive pas à rentrer donc dans le garage avec ma voiture, mais c'est pas grave. Des fois vous pouvez rentrer dans le garage avec la voiture d'origine, des fois vous ne pouvez pas, mais c'est vraiment pas grave parce que vous avez déjà toutes les duplications à l'intérieur. Donc si vous pouvez pas rentrer, c'est pas grave, vous sortez de la voiture, vous retournez dans votre garage à pied. Et voilà, vous voyez que les dupliqués sont bien là, il y en a plusieurs et elles vous appartiennent. Donc si vous voulez savoir comment les revendre, comment bypass la limite des 45 minutes, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai consacrée spécialement donc à ça, qui sera maintenant en annotation. Donc voilà, pensez bien à aller la voir si vous voulez revendre toutes vos voitures en illimité et vous faire beaucoup d'argent. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!